Yeah, yeah. On vous emmène avec nous pour faire un mini road trip. Non, on va déjà. Je sais plus. C'est bon, nous sommes bien arrivés au premier logement de notre road trip. Première sortie qu'on fait, on vous montre une cascade incroyable. Non mais regardez-le là. Genre il a payé 6€ pour qu'on aille à ce lac et tout, qu'on aille se peigner, il y a des gens là-bas qui se peignent. Et là en fait il y a des carpes. Il y a des carpes énormes. Il est hors de question que je me baigne avec des gros trucs comme ça. Les gars regardez, on se baigne dans un lac là. Je sais pas trop où c'est. Il y a des carpes à ras les pieds. Je vais me faire attaquer je crois. Il y a vraiment un gang à mes pieds. Et un lac où tu payes 6 balles pour te baigner avec des carpes. C'est un vol. Voilà, je suis caché dans les pots de fleurs. La cachette elle est mieux. On va voir si elle va venir ou pas. A few moments later. Elle ne trouve pas. Regardez là cette caisseuse. Pourquoi? C'était sûr. A veces ya no puedo sonreír, pero siento que si no te tengo, me puedo morir. Là, on est à Crémieux et c'est une cité médiévale. Genre, c'est beaucoup trop propre. Juste avant, il a renversé du Schweppes, c'est sûrement dans la voiture. Non, non, c'est crasseuse, ah, c'est pas boire. Et du coup, je suis trop. Digo que no me haga feliz, pero baila cada 5 minutos, no creo que sea sano. Nena. Ok les gars, je viens de grimper tout ça, je suis déjà morte. Tu bouges ton cul? Non mais... J'en veux plus moi, aidez-moi. J'ai croisé un copain à moi. Il est trop beau. Et lui il est parti en vadrouille. Voilà. Regardez le courir parce qu'il a vu la fabrique de la bière. Et il est parti en courant. Là vous voyez ça. Et voilà ça. C'est la cité médiévale. On vient de tout là-bas. Vous voyez le petit toit là? Et on a fait tout ça pour monter et voir ça. Je vous avoue, je suis fatiguée. Je vous avoue qu'après avoir vu le coucher de soleil, on s'est perdu dans la cité médiévale, on sait pas du tout où on va. Genre, c'est vraiment super beau, regardez, genre. Oh là là. Oh, j'ai eu peur. C'était un pigeon. En fait, j'ai pas les clés. Du coup, bah, j'ai perdu les clés de ma maison. Voilà. Putain, on est à la porte. Ah, j'ai vraiment une chaîne. En cette première journée, je suis totalement fatiguée. On a beaucoup marché. Voilà, c'était trop bien. Et c'est pas fini parce qu'on a encore le poulet à manger. Oui, enfin, on va manger le poulet. Le poulet. Mon poulet, il est un peu cramé. Mais bon, c'est pas grave. Ça se mange. Bon, allez, les gars. Première journée finie. Maintenant, passons à la deuxième. Ouais.